si on va au fond de quels sont les blocs fondamentaux sur lesquels il faut travailler, je dirais que c'est une ouverture culturelle au fait d'être capable de travailler créativement sur une feuille blanche. Je rentre dans la salle, je ne cherche pas où se trouve la malle dans laquelle il y a les réponses. Je sais tout de suite que ça va être un moment de créativité intellectuelle extraordinairement pressant sur lequel je vais devoir travailler. Et je vais être vraiment confronté à mon intelligence fondamentale que je vais partager avec les autres personnes qui sont autour de moi sur le mode « est-ce que je peux comprendre ce qui se passe ?» Et si j'ai réussi à mieux prendre en charge l'ensemble des ancrages de cette crise et de son aspect tentaculaire et de ses potentialités, là, je serai beaucoup plus à l'aise pour travailler avec les dirigeants, pour travailler avec la population, pour faire une communication, sachant que la communication aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre la rapidité. Le seul point fort de qui pilote une crise, c'est le fait qu'il ait ou non une avance sur l'intelligence de la crise et qu'il ait ce recul. S'il n'a pas ce recul, il ne pourra jamais lutter contre la vitesse de propagation des informations.